toutes les chambres. Mais vous savez quoi? Ça servait à rien, puisque regardez, il fallait juste monter au dernier étage et l'ascenseur, bah il y a un truc comme ça là. Alors où est-ce qu'on est? Ah, c'est un avion. Oh mon dieu, oh oh oh, ah! Je vais devenir fou, je vais devenir fou, regardez-moi tout ça. Non mais je vous jure, il y a des zombies partout. Il y a des zombies à l'hôtel, des zombies dans le métro, des zombies dans l'avion. Non mais j'en ai marre des zombies. But that's alright. Et salut le voyageur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et aujourd'hui les amis, nous allons tout simplement faire un autre... Oh, voilà. Un autre escape game. Ben voilà, vous voyez, je suis déjà sur la map. C'est une map que j'ai pas encore testée, celle-là, comparé aux autres. Parce que les autres, je vous avais dit qu'on testait toujours le début pour voir si c'était un minimum potable la map, quoi. Du coup, ben celle-là, zéro test. Donc ben c'est parti, on va tout de suite commencer, hein. Alors on va commencer par explorer un peu les lieux, voilà. C'est un peu de but. Une map escape. Ok, ici il n'y a rien à voir. Ok, pour le coup il y en a des lamas ici. Hein. Bon, je pense pas qu'on peut les casser. Hein. Ah, un genre de petit concert ici. Oh, des petites pièces de puzzle. On va récupérer ça tout de suite. Et aussi on peut les ouvrir? Non. Je sais pas, on dirait qu'il y a un truc dessous. Ouais, bon. Donc, rien par ici. Attends, what? Oh non! Oh non, me dis pas qu'il a oublié d'enlever le truc pour voler! Oh! Ok, bon, on va faire comme si on n'avait rien vu, les amis. Bon, faudra juste éviter de double jump parce que voilà quoi, c'est pas fait pour ça quoi, on n'est pas là pour voler. Du coup, c'est. Ah, mais ces petites machines, c'est un peu comme. Machine là. Bah, c'est les machines où il faut mettre des pièces et attraper des. Attendez, comment on appelle ces endroits encore? Des endroits et trucs comme ça, je me souviens plus. Mais je m'en souviens plus comment on appelle ces endroits à venir. Mais bon, bref, allez, on va sortir dehors. Allez, dans le petit parking. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Mais je pense pas que normalement on a le droit. Ouais, je pense qu'il a fait. Qu'il a oublié justement d'enlever ce truc parce que. Voilà quoi, je comprends pas à quoi ça sert de faire une map si on peut voler. Bah, parce que sinon ça veut dire qu'on peut aller n'importe où quoi. Ah, il y a un truc vert là-bas derrière. Et... Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, c'est bien. Bon, voilà, on avance plutôt bien pour l'instant. Donc. Oh mais c'est stylé. Attendez, si on ferme ça par exemple. Ah ouais, oh mais c'est super stylé. Ah ouais, c'est super stylé. Donc je pense. Bon, c'est un peu évident, mais je pense qu'on doit trouver une porte. Ah bah déjà il y a une petite pièce là. J'ai même pas vu. Alors, ah, on a des étagères. Ouais, c'est des étagères. On peut grimper dessus. Ok. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Ouais. Je pense que c'est un rapport avec les étagères, c'est obligé. Rien ici. Ici, rien non plus. Je crois qu'il y ait quelque chose en haut, attendez. Non, rien. On a encore des étagères. Ouais, mais on peut pas avoir une porte au sol quand même. Faut pas abuser. Ouais, on voit quand même le contour de la porte. Alors, je vais regarder au niveau venu, parce que regardez. Quand je ferme la porte, on voit le contour de la porte là. Donc je pense qu'on peut trouver la porte comme ça. Alors... Putain, mais ça peut rendre fou les gens, ça va pas. Ah, je vois un truc. Ah, attendez, attends. Ne me dis pas que. Allez! Putain, ah bon, ça va, on avance vite pour l'instant. Mais vraiment, regardez, attends, est-ce qu'on peut pas refermer la porte? Parce que j'aimerais bien vous montrer. Vous voyez, on voit le contour, enfin, je sais pas si vous voyez, mais enfin, voilà quoi, ça se voit, il y a le contour, surtout en haut, là, on voit bien. Donc, on va réouvrir cette petite porte et enfin sortir de là. Hop, bon. Faudrait que je réussisse à sortir, voilà. Ah. Petite plaque de réapparition qui fait plaisir. Alors, on est où là? Et censé être quoi ici? Un métro? Ouais, c'est ça, un métro. Ah, j'entends une petite pièce de puzzle. Ah, ouais. What? Oh non, 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 pas des zombies! Oh purée, c'est pas possible! Je croyais que ça allait être une map tranquille, mais là, il faut mettre des zombies. Non, mais je comprends pas, c'est quoi ce délire de mettre des zombies partout? Laissez les zombies tranquilles, mais attends, on va essayer de passer. On va essayer de passer par-dessus le grillage. Alors, comment je pourrais faire? Est-ce que je peux monter là-dessus? Yes! Oh, juste derrière, on entend le bruit des zombies. Oh, c'est infâme, je déteste ça, les zombies, regarde-moi ça. Bon, les gars, alors, dès que je pose un pied, il faut couvrir, ok? Donc, c'est parti, on va couvrir, quoi. Ils ont l'air totalement buggés. Oh non, je retire ce que j'ai dit, vous êtes pas buggés, ok. On va se calmer. Allez, vas-y, passe.
Ah ah, tu es coincé, mon petit zombie. Et hop, attendez, on va le taper. Voilà, bien fait pour toi. Donc on a une pièce. Oh non, il y a encore un zombie, mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ce délire de foutre des zombies partout? Ok, on va passer, il est là. Ah, il est coincé dans le truc. Ah ah, tu es coincé dans le truc, petit con. Oh merde, oh merde, non, je retiens ce que je dis. T'es pas con. Laissez-moi tranquille. Oh merde, j'allais encore voler. Putain, laissez-moi passer. Est-ce que je peux passer en dessous? Oui. Oh putain, allez, vite. Il y a encore un zombie là, oh mais c'est pas vrai, oh on va se calmer les zombies là. Mais il y a plein de trucs comme ça, on dirait des espèces d'engins là que tu louais. Donc, que tu louais. J'entends de la musique par là. J'entends de la musica par là-bas. Ah, peut-être un passage par ici. Ah ben non, rien. Mais par contre il y a la musique, je sens que c'est par là-bas qu'on doit passer. Putain mais il y a trop de salles. Non mais je vous jure, ils veulent nous rendre fous là. Bon mais c'est pas vrai, parce que là c'est au moins la troisième fois que je refais le tour. En plus il y a ces zombies là. Attendez, je suis pas encore venu ici non? Si, je suis déjà venu ici, mais attendez. Oh. Ah ouais, oh. Tu vas te calmer. Attendez, on va se cacher là. Ah ouais, non mais en plus on était déjà passé par ici. Oh mais c'est infâme. En plus j'ai même pas eu le temps d'apprécier là. Tu vois, c'est chiant. Mais c'est bien stylé. Là je pense qu'on doit être dans un musée. Bon, c'est un peu évident, j'ai envie de vous dire. Alors, le petit lama. Ouh. Bon, on va le rap. Ah, il y a une pièce de puzzle par ici. Mais est-ce qu'il arrive vraiment? Non, de là je crois pas. Ouais, c'est bon, on a quand même une bonne marge. Hop, on récupère la pièce. J'ai envie de voir le lama, il faut voir. Alors, du bandage. Ouais, ça peut être toujours intéressant. Alors, par où est-ce qu'on doit passer après? Ah, bah voilà. Eh mais ça va, on avance super vite là, pour le moment. Mais à chaque fois, c'est toujours des petits trucs cachés comme ça. Eh mais à chaque fois, ça change vraiment de décor. Hein. On est passé quoi? D'un espèce de truc de jeu pour enfants à un hôtel? Ouais, je dirais plus un hôtel. Bon, là c'est des toilettes. Mais voilà, quoi, quand on regarde comme ça, c'est un hôtel. Nous avons. Ouais, est-ce que je peux remonter par contre? Ça va être des petites. Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! Il y a une fruite plus droite là-bas, on va prendre celle là-bas. Une fruite plus droite. Ouais, ça va être mieux par ici. Yes! Maintenant. Quoi? Non, mais t'es sérieux? Mais attends, j'ai fait tout ça pour. Je me suis ridiculisé avec une frite pour au final le même pas pouvoir passer. Enfin, je vous ai dit, c'est dans l'eau ça, c'est sûr. Mais là... Ah, j'entends une pièce par ici. Ah. Ok, déjà, on a la pièce. Ça. Donc, c'est pas là. Je pense que c'est dans celle du milieu. On va regarder dans la piscine du milieu. Rien. Oui. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, putain, moi et l'anglais, vous savez très bien que... Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oh. Oui, oh. Que veux-tu dire? Ah oui, oh. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, on n'a toujours pas regardé ici. Du coup, je vais faire peut-être que... Voilà quoi, comme par hasard, ça va être le seul endroit où j'ai pas regardé. Et je vais encore une fois passer pour un con. J'en ai marre, mais sérieux, c'est le seul endroit où j'ai pas regardé. Donc. Ah, du coup, là, on est à l'intérieur du bâtiment. Oh non, mais me dites pas que ça va être encore un truc comme ça. Eh mais je vous jure, regardez-moi ça. Et je suis sûr que ce truc, ça va continuer sur 3 étages. Enfin, encore sur 6 étages. Et vous devrez regarder dans chaque chambre. Mais je vous jure, ce truc va me rendre fou. Oh là là. Et quand je vous dis que ça va me rendre fou. En fait, là, j'ai fait toutes les chambres. Mais vous savez quoi? Ça servait à rien. Puisque regardez, il fallait juste monter au dernier étage. Et l'ascenseur, bah, il y a un truc comme ça là. Oh, mais c'est pas vrai. Je vous dis, ce truc va nous rendre fou. En plus, là, il y a un truc. On va aller récupérer ça. Oh, mais c'est pas possible. En fait, finalement, la logique, je préfère la suivre là. Je crois que cette map vaut mieux suivre la logique parce que, en fait, je me suis dit, on va monter directement au dernier étage, mais non, vaut mieux pas le faire. Et finalement, bah, quand j'ai fait, mais. Ah, d'accord. Un pique-nique géant. On peut consommer. Ah, d'accord. Un pique-nique géant, carrément. Cette map est de plus en plus illogique. Hop. Normalement, il danse.
Enfin, il danse, il s'anime quoi. On danse à côté. Alors, logiquement, on passe là-dedans. Ouais. Eh ben, en vrai, on avance vite. Enfin, je trouve qu'on avance vite. Peut-être qu'en vérité, je suis extrêmement lent. C'est sûrement là. Ah, d'accord. Elle m'a fait le ventre. Il fallait plus une porte. Attendez. Ouais, une porte. Oh. Encore? Il y a encore une porte? Ah, il y a un truc. Ah, là, il y a du feu. Du fire. Attention, musique épique. Alors, où est-ce qu'on est? Ah, c'est un avion. Oh, mon dieu. Oh, oh, oh. Ah! Oh, merde, 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 merde. Regarde-moi ça. Des zombies ont envahi mon avion. Oh, il faut venir ici. Oh, non, 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 je vais te coincer. Oh, merde. Oh, merde, 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 merde. Je vais te coincer, là. Est-ce que je peux les taper? Ouais. Allez, venez que je vous tape, bande de biatch. Par où est-ce que je vais passer? Oh, merde. Arrêtez. Ah, mais là, on a pas encore regardé. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une pièce de puzzle. C'est déjà bien. Ensuite, merde, ils ont bouché un peu. Ah! Putain. Non mais je vous jure, il y a des zombies partout. Il y a des zombies à l'hôtel, des zombies dans le métro, des zombies dans l'avion. Non mais j'en ai marre des zombies. un tout petit truc caché là. On va revenir ici. Est-ce que par hasard ce serait... Non. Vous allez me dire que c'était ça quoi? Non mais sûr, je croyais que c'était vide. Ok, bon bah c'est parti. Non mais cette map est incroyable. Non, pas encore. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Regardez-moi tout ça. C'est pas vrai. Ok. Mais est-ce que... Attends, est-ce que... D'accord, ah d'accord. Il y a un trou dans chaque rond. Ok, ah bah voilà, la pièce. Déjà une pièce. Est-ce que... Bah non, ça continue. Bah bien sûr. Il vaut mieux tout tester. Bon allez, c'est parti. On va continuer à en tester. Putain, me dites pas qu'il faut essayer chaque fois, mais non. Oh, non mais j'en ai marre. En plus avec les zombies, je vais devenir fou avec cette map. J'ai déjà tout testé en haut. J'espère que celui-là ça va être bon parce que déjà j'arrive même pas à monter sur la torche. Putain, j'arrive pas à monter sur cette torche de. On va se calmer. On rage pas. Ok, ensuite. Mais putain, c'est pas vrai. J'ai réussi à tout les faire et là tu vas me dire que celui-là. Oh mais. Oh yes. Yes, 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 yes. Ok, maintenant on se retrouve. Ah, mais. J'ai l'impression que ceci est une petite référence à Super Mario Bros. J'aimerais bien récupérer toutes les pièces. Allez. Allez, laisse-moi être Mario. Mais putain, mais comment le mec fait dans le jeu pour monter sur un tuyau comme ça? Mais c'est physiquement impossible, vous le voyez bien. Regardez, mais Mario, explique-moi. Ah, ben non, en fait. En fait, non, c'est faisable. C'est juste moi qui suis nul. Mais bon, vous avez l'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, hop, pièces, ouais. Si seulement ces pièces nous donnaient des V-Bucks. Hop, je pense qu'il faut pas tomber dans le trou. Hop, encore des tuyaux. Ah, les champignons. Est-ce qu'on peut... Bah ouais, pourquoi j'en ai pas consommé? Je pensais qu'on aurait pas pu les consommer, j'aurais dû en consommer depuis le début. Ok, maintenant. Ah, on est entre le château de la princesse. Enfin, je pense, parce que. Tu me fais une bête de. Tu me fais une bête de. Ah putain, mais. Alors, regardez, vérifier. Ah, bah voilà. Bon, bah cette fois-ci, j'ai été rapide. Oh, regardez-moi ça, c'est incroyable. Oh, vas-y! Le petit drapeau! Et en plus, je suis pas rentré dans le trou. Je pense qu'il faut rentrer dans le truc. Ouais, il faut rentrer dans le truc. Je suis un boulet. Alors, on va essayer. C'est parti. Allez, on va tirer le drapeau. Allez, je me suis entraîné toute ma vie pour ça. 3, 2, 1, gueule! Oh, mais pourquoi? Mais oui, mais pourquoi en fait je. Pourquoi je m'obstine à foncer sur le drapeau? Il faut passer sur le côté, mon ami. C'est incroyable, cet enfant, là. Mais, tuyau de mes
tueur de mes couilles là. Mais c'est pas vrai. Et totalement illogique. Alors on commence avec des zombies dans le métro, dans l'avion, à l'hôtel. Ensuite on a un pique-nique géant. Et là on finit sur un Mario Bros. Non mais. Mario, qu'est-ce que tu fous là? Non mais c'est incroyable. Allez, hop. Oh mais qu'est-ce que je suis con? Mais qu'est-ce que je suis con? Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Mais j'ai fait de passer par là. Mais bien évidemment. Oh mais cet homme est incroyablement con. Et c'est la fin. Thank you for playing the Visual Escape Maze. Bon, vous avez remarqué mon incroyable anglais. Déjà je sais pas parler français. Et maintenant vous voulez que je parle anglais. Non mais vraiment, c'est des fous. C'est des fous. Bon voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Et mais en vrai je trouve qu'on était rapide là. Après il faut voir combien de temps ça a duré. Mais pour moi je trouve qu'on était rapide comparé à notre map. Donc du coup on va en profiter, on peut voler. Voilà, avec ce magnifique feu d'artifice. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude en bas de cette vidéo. Et vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Non mais franchement, ah ça, mais vraiment je préfère plus ce genre de map que les maps Death Run. Donc je pense qu'on va en plus en faire. Putain mais quel voulait, je savais même pas comment terminer cette vidéo. Allez, tchuss.